Cette inondation-là a été survenue depuis le jeudi. Ceux qui sont en bas de chez nous, parce que nous, nous sommes auprès du fleuve Kisi-Kisi, et il y a des gens qui sont derrière nous. Le jeudi, l'eau a commencé à attaquer ces gens-là. Et le vendredi, nous aussi, l'eau est arrivée chez nous. Vraiment, nous avons vraiment victimes de pertes à énormes dégâts dont on ne peut pas vraiment décrire tout. Voilà. Mais actuellement, vraiment, nous souffrons parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de déplacés. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu. Il y a eu aussi des effondrements des maisons. Et actuellement, les gens se trouvent vraiment dehors. Il n'y a pas là où passer la nuit. Même le problème de nourriture aussi se pose. Moi, personnellement, parce qu'il ne faut pas que j'arrive à vous mentir, ma maison a été inondée. Mais j'avais perdu quelques objets quand même, je n'ai pas perdu tout. Mais ceux qui étaient en bas, ils ont perdu totalement le contenu de leur maison, franchement. Ce que je demande auprès de l'autorité guinéenne, il faut qu'il arrive à penser à ces pauvres populations qui ont eu vraiment cette catastrophe, donc ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir. Parce que même le problème de leur manger, de leur logement aussi, est complètement grave. Donc il faudra que vraiment l'État vienne au secours pour que vraiment cette population puisse sortir dans cette catastrophe. Mouye tunena mfare mouna ka yeto yena ka dimoura bangrema mouna ka fa moura bangrema bi abini kui na ka findi yera bon ma se nana mouna ka moura se tongo me mouna tongo de mouna na da balam se yokuma mouna ka bangrema bi de haileri bangri ana yokora mouna mini tindi ye mouna mina bomba se se mini kongwa ima sabi na nyiki depi na balang jedi mahaya marabi mfa agali na ganti ma mangasangire eka fa kafu mouma miskini muna torofi wali ramuna na fende ramusona ranguira donc ngona kasare na kankuiki ngoma kulunguita na bama kiyoka kamanga sai mufa kafa kafumuma na de merele ne bara fai bara ndi ari shuri munde ari shuri donc imam bara fai na mu be e bara fa dunyira mu goma na dunyi fande bara shuri ndi ma shotoi donc ngufa na meni ne hayi gesege na ndege fe na ngwa ngi fe na ngwa ni sefu fofona ba mu bi na muori mu muori kufiu sasi mudoma mumurire madume vante doro ne mo finta mai kuyi wa ma sasi doma alo mane rim musa kembelira yango konta finane ma meri ka fasa yire model ka me muno ma sade yire model place munana nana to kulu muna mo ka kutu tungu muna fa be mo fa kibe munana konta fili ku anu na kameri e ka fira mo ko mali balo fira so se fira mo ka so se ndi ba ped muma Mogase uyaga na bilin gunna kana kana mo mo no kana ki mo soto di mo faaga ni nan donc mali lay ga mo ko mali mon le basni mo ko da nya kana ga sa si mo ro ma mo mo sa ga mbe ya funga to mo ma finta c'est la nuit de jeudi on a eu une forte de pluie qui est tombée c'est ça qui est arrivé pour nous là maintenant c'est ça qui est arrivé l'eau est montée la nuit là elle est montée jusqu'à le matin Le vendredi, maintenant, à 12h30, on a eu encore... l'eau monte toujours. Ça commence à faire rentrer la maison. Derrière nous, maintenant, certains commencent à sortir. Maintenant, nous, maintenant, à 18h, l'eau nous a attaqué. 18h, on a fait commencer maintenant à faire sortir nos bagages dehors. Après, maintenant, à 1h du matin, on a vu maintenant qu'il n'y a pas de possibilité. Il nous faut qu'on sorte. On avait sorti à la maison maintenant. Avec nos familles. Le lendemain matin, maintenant, le préfet est venu pour nous voir, nous saluer. Après, il nous a dit de quitter. Tout ce qui est auprès du bord là, vous quittez. Vous allez au tout près de l'école qui est plus proche de vous, vous restez là-bas jusqu'à un certain temps. Après, maintenant, ONG va venir. On va vous rencontrer. On a perdu beaucoup de choses. Ça, on ne peut pas tout rencontrer. Mais au commencement, notre petit déjeuner, le petit dépense là, on a perdu ça. Ma femme a perdu sa marmite, elle a perdu 8 pailles. Bon, et moi, ma soeur a perdu. Mon fils, là, lui aussi, a perdu sa moto.
celui qui est venu pour nous aider à faire sortir les bagages à la maison. En ce moment, moi, je n'étais pas là. Lorsque je suis venu là, j'ai trouvé beaucoup de monde maintenant dans ma maison. Tout le monde est en train de m'aider, de faire sortir partout. Mais je ne comprends pas ce que j'ai perdu. C'est après le matin maintenant que j'ai compris maintenant, j'ai perdu quelque chose. Mais j'ai pris bon Dieu parce que j'ai sauvé ma tête avec mes enfants. C'est Dieu qui a fait. Ceux qui ont venu là de prendre ce qui est sur moi là, je n'ai pas regardé ça. Dès qu'ils m'ont dit de quitter, je suis quitté. Parce que l'eau monte toujours. Il n'y a pas là où je vais. Et on a à la maison à peu près de 25 personnes. Avec l'autorité, on ne peut rien dire. Comme ceux qui ont commencé là avec l'ONG là, vraiment on est content. Hier nuit, il est venu, il nous a trouvé ici, il nous a donné le manger avec ma famille. On a mangé ça. Il nous dit encore de rester, qu'ils vont venir. Moi, par exemple, comme je suis victime, je ne veux pas faire la guerre. Ce qui m'est arrivé là, vraiment, ça ce n'est pas la guerre. Et celui qui n'a pas de ça là, il profite pour avoir. Oui. Si c'est que le victime, comme ma famille comme ça là, 25 personnes, on n'a pas de lit, on n'a pas de lit là où on va dormir. Qu'est-ce qu'on va manger depuis le matin comme ça? Est-ce que c'est la guerre? Non, ce n'est pas la guerre. Vraiment. Bon, je suis là comme ça, rien. Mes enfants en train de me réclamer. Nos petits dépenses, tout s'est perdu. Le riz qui est à la maison, là, 135 kilos. Le riz local, 100 kilos. L'autre, là, 35 kilos. C'est perdu. Et bon, comment je vais? Ce n'est pas la guerre. Je prends le bon Dieu avec l'autorité compétente. Vraiment.